Vous voulez que je vous montre les nouvelles pépites que Shein m'a envoyées? Croyez-moi, ça vaut le coup. Hola les girls, on se retrouve pour un big haul Shein automne hiver 2023-2024, ok? Que des pièces ultra tendance, ultra trendy, que vous avez forcément dû voir plus ou moins passer sur les réseaux et tout. Vous allez être choqués de moi parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur dans ce haul Shein. What the fuck en fait? Que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il? Cette vidéo est en collaboration avec Shein. Du coup voilà, c'est une collaboration rémunérée. J'espère que c'est assez explicite parce que maintenant avec les nouvelles règles, je serre le cul, ok? J'ai peur de mal faire. J'ai été clairement payée pour vous parler de cette commande, en plus d'avoir reçu tous les articles gratuitement. Est-ce clair? Je l'espère, ok? Let's go. Premier petit look, alors c'est ce pull. Donc en fait c'est un 2 en 1, vous avez l'espèce de débardeur. C'est détaché genre. J'aime bien l'effet un petit peu destroy, vous voyez, genre effiloché et tout. Franchement je kiffe la vibe. Voilà, il est très confort, très doux. Qu'en pensez-vous? Je me lève pour un petit peu mieux vous montrer. Le dos aussi. Il y a avec un jean en mode chill, mais sinon j'aime bien aussi le mettre avec ce cargo militaire. Voilà, je me suis pris un cargo militaire, ça faisait une éternité que j'en voulais. Hein. Donc je l'ai pris sur Shein, il y avait des notes, des super notes. Moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de lire les avis. Celui-ci, il avait des avis de fou, tout le monde disait genre meilleur cargo, genre foncez, foncez, foncez. Et en vrai pépite, vraiment pépite de fou. Après, un peu grand pour moi, c'est le problème de tous les pantalons, tous les jeans. Lui il est un petit peu long, après moi je fais 1m58, je tiens juste à le rappeler parce que très clairement c'est moi qui suis petite en fait, c'est pas le pantalon qui est trop grand. Bien sûr tous les liens seront en barre d'infos, ok, tout sera relayé et vous avez un code promo qui est actif. De moins 15% sur votre commande. Sachez-le quand même, on fait les choses bien ici. Hein, je suis une influenceuse de qualité. Je ne vous laisse pas sans rien. On continue avec les cargos. J'ai pris celui-ci. C'est le cargo que je portais dans mon ancienne vidéo quand je suis allée chez le coiffeur. Du coup, que vous resserrez ici à la cheville. C'est la même aussi pour celui-ci. Vraiment le cargo classique. Des énormes poches au dos de celui-ci. Mais c'est pas gênant. Genre, j'avais vu les avis. Les gens disaient que c'était dommage que les poches soient aussi grosses. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un gros cul ou c'est vraiment les poches qui sont trop grosses, mais moi ça me choque pas sur moi. Et la matière est grave cool, c'est hyper doux. Après c'est légèrement transparent comme tout bon pantalon blanc, voilà, hein, il ne fait pas exception celui-ci. Il est légèrement transparent, il est pas non plus transparent, mais voilà, faut réfléchir quand même à quelle culotte on met quand on s'habille le matin. Je reste dans les pantalons avec ce petit pantalon de costume. On change de style, ok. C'est un pantalon de tailleur noir, fluide, avec les petits pinceaux pour la ceinture et tout. Hyper confort. Je suis grave contente parce que ce genre de pantalon, ça c'est qui tout double. C'est soit faut passer 40 heures à le repasser après la machine, ou soit au contraire, ultra fluide, le truc a pas besoin d'être passé. Vous savez, genre c'est vraiment genre pile ou face. Et bah là, je suis pas mécontente parce que je n'ai pas eu besoin de le repasser. Regardez-moi à quel point il est parfaitement lisse. J'ai envoyé dans le décor les manteaux, donc on va vous les montrer maintenant. Énorme coup de cœur, mais coup de cœur, mais incroyable sur cette doudoune crop top. Moi j'adore les manteaux crop top, les doudounes crop top, les vestes crop top, tout ce que vous voulez crop top. Elle est de belle qualité, elle est ultra confortable et alors moi j'aime trop les bord-côtes comme ça sur les vestes. Et celui-ci j'aime trop parce que vous avez un trou ici pour faire passer le pouce. Du coup en fait ça te fait presque des gants l'hiver en fait, tu vois. Et j'adore, genre t'es ultra bien enfermé. Par contre tu le sens passer dans le dos, hein, je vais pas te mentir. Hein. Autre pièce très tendance pour cet automne-hiver, un trench en simili-cuir noir, très Matrice, Mad Max. Par contre moi je fais vraiment 1m10 les bras levés, du coup les trenches longs comme ça, en fait j'ai l'impression que vraiment je suis une fourmi bien enfoncée dans le sol quoi. Quand je mets un truc comme ça, c'est abusé, ça me tasse de fou. J'ai du mal avec tout ce qui est manteau long. Voilà, moi je suis très dans le crop top comme vous l'aurez compris. Donc là, ouf, c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup de tissu. Je ne sais que faire. J'ai pris encore un cargo. Alors attendez que je vous remette sur l'endroit parce que je l'ai essayé et puis depuis, voilà quoi. Petit cargo comme ça, noir, transparent, en espèce de tulle. Comme ça, qui se resserre avec des petits cordons en bas. Avec les petites poches et tout, qui sont d'ailleurs des vraies poches. Vous avez bien sûr un mini short noir en dessous en mode doublure, voilà. Par contre, alors mini short, je m'emballe un peu, une culotte. Pas suffisant, selon moi, pour la vie de tous les jours. Donc faut mettre un petit cycliste. Après franchement, si vous êtes ultra à l'aise avec le fait de montrer la moitié de vos fesses, let's go. Juste, il est ultra large. Regardez à quel point on peut mettre carrément tout mon être.
dans la jambe quoi. C'est un peu dommage. Par contre, autre chose, ce genre de matière, vous savez, quand on voit ça sur internet, on se dit oh my god, c'est le truc qui gratte sa mère. Encore une fois, j'ai lu les commentaires, les gens disaient qu'il ne grattait pas. Et effectivement, il ne gratte pas. Genre, j'ai été choquée. Je ne l'ai même pas encore lavé, comme vous pouvez le voir, il y a encore l'étiquette dessus. C'est du XS. D'ailleurs, tout ce que j'ai pris, c'est du XS. Voilà, de façon générale. Donc, hyper confort en soi. Et j'aime bien le style avec les petites poches, les petits zips sur les poches et tout. Franchement, très sympa. Mais en voilà encore un. Encore un cargo. Jean brut cette fois-ci. Comme ça. Voilà. Alors, celui-ci, il se resserre pas en bas. Au dos, il n'y a pas de poche d'ailleurs. Ça c'est la gamme Shein Sexy, donc sachez que sur Shein vous avez plusieurs gammes. Et la gamme comme ça, Shein Sexy, c'est une gamme que je kiffe de fou parce que c'est une gamme qui est vraiment adaptée à ma morphologie. Il y a aussi la Icon, Shein Icon que j'aime bien, Shein Bay, enfin Bay, bah, je sais pas comment on dit, B-A-E là vous savez. Aussi un autre pantalon, c'est ce jean, kiffe de fou parce que c'est un jean ultra original avec les bandes blanches et tout. C'est quelque chose qui a un peu de caractère quand même. Et lui je le trouve vraiment trop trop cool avec les bandes blanches et tout. Franchement je kiffe de fou le style. Donc voilà, on est pareil sur un jean vraiment large, ultra tendance, qui retombe trop bien sur la chaussure. Franchement moi je kiffe de fou. Quelle est cette côte de maille me diriez-vous? Et bien c'est un pantalon. Alors d'une qualité de fou malade, vraiment, genre la qualité est incroyable. Ça je me suis dit en soirée, tu mets ça avec un cycliste noir en dessous, of course, des petites bottines à talons noirs et un blazer noir. Sauf que problème, il est trop petit pour moi, c'est du XS, alors c'est extensible, je rentre dedans mais clairement je suis saucissonnée là-dedans. Et ça va pas, limite un peu oversize, ça aurait pas été gênant vu le style du truc. Vous voyez mais là c'est de la résine, donc si je suis serrée dedans c'est pas joli. Si je m'assois dedans et que je craque une maille, c'est encore pire. Et en plus de ça, je le trouve trop court. Malheureusement, il est trop court alors que je suis en 26-58. Ensuite, deux paires de chaussures iconiques. Êtes-vous prête à les observer, à les apprécier, à les idolâtrer à travers votre écran parce qu'elles sont canonissimes? My goodness. Alors ça, vraiment, c'est une tendance. Les bottes, je pense que vous les voyez partout. Vraiment, il te faut des bottes noires à talons. Cet hiver en fait, tu ne peux pas faire l'hiver sans bottes à talons, c'est pas possible, c'est vraiment la tendance. Je les ai déjà portées plusieurs fois, comme peuvent en témoigner les semelles, n'est-ce pas? On est sur des talons aiguilles de 11 cm il me semble, mais alors ultra confortable. J'ai déjà fait des boîtes de nuit avec ces bottes, ok? Des boîtes de night, ok? J'ai marché à peu près une demi-heure de marche avec, sans les enlever. C'est très rare, sachez que moi en général, les talons ça me gonfle assez vite, c'est-à-dire que je finis le trajet à pied. Sans mes chaussures, en chaussettes dans la rue, oui parfaitement, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça me saoule, si j'ai mal aux pieds, j'enlève mes chaussures, je m'en fous, je rentre pieds nus. Voilà, et là non, j'ai même pas eu besoin de les retirer, de les enlever, j'ai vraiment marché avec et ça l'a fait malgré la hauteur des talons, donc en vrai ultra confortable. Donc j'ai pris une taille 38 parce que bah, vous voyez c'est quand même bien pointu, donc je préfère être quand même à l'aise, que mes orteils soient pas trop en Y dans la godasse, c'est le pire du pire. Déjà que t'as le talon aiguille à supporter, si en plus devant ça se passe mal, ton pied il crève en fait, il clamse et je pense qu'il mérite pas ça. Ensuite, la deuxième paire de chaussures qui est tout aussi canon, c'est cette paire de bottines. Bottines chaussettes, voilà, un classique aussi, pointu, très Kim Kardashian, bien pointu, genre vraiment vraiment bien pointu, en chaussettes. Donc ultra confort, tu les enfiles vraiment comme des chaussettes et j'ai trop kiffé le petit talon en plexi transparent comme ça. Il est assez large, il n'est pas aiguille pour le coup, donc on est quand même confort là-dedans. Et pas très haut, genre je sais pas si vous vous en rendez compte comme ça, mais c'est mes plus petits talons que j'ai à l'heure actuelle, donc c'est émouvant. Donc là on est sur du 9 cm il me semble. Et enfin, les deux derniers articles, ce sont deux robes, très iconiques aussi, encore une fois, on fait pas les choses à moitié. Ça c'est aussi ultra tendance, très inspiré de Kim Kardashian, alors... Je pense pas apprécier de la plupart des gens parce que c'est très très osé. Vous connaissez mon originalité. Le fait que voilà justement moi j'ose mettre des trucs que les autres n'oseraient pas mettre. C'est ce qui me fait kiffer aussi. C'est mon petit côté spicy vous voyez, donc j'adore cette robe. Voilà. Je la trouve vraiment trop belle, voilà, avec l'illusion d'un corps de femme dessus, genre, en fait, l'illusion que je suis finalement nue comme un verre. Mais vraiment, un coup de cœur, attendez que je vous la remette sur l'endroit, elle sort de la machine. Et sur le même délire, voilà, du corps, mais cette fois-ci, c'est tout en strass, les gars, c'est du strass. Oh, je suis fan, alors celle-là, j'ai trop hâte de la mettre. Je m'en fous, on est en hiver, c'est pas grave du tout. Elle est trop bien taillée, elle me va trop bien. À mon corps et tout, franchement c'est un coup de cœur. J'espère en tout cas que ce petit haul vous aura plu. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous rappelle mon code promo juste ici de moins 15% sur votre commande. Je vous fais des bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.